3, pour le bien. Merci beaucoup. Attends, s'il te plaît, bonjour. Si tu me copies, veux-tu passer sur la même fréquence en FM? Exactement sur la même fréquence en FM, bonjour. Si ça marche ou pas, on revient là-dessus. Tu sais, je sais pas si mon passe-marche, super.51 vous de la part de 14 Kilo Mike 3301 opérateur Rémi en mobile sur le département de la Gironde secteur Saint-Émilion. Ouais, pour les départements de la Gironde. Ah, zut. Ah, il n'y a plus personne. Si, les 73 à vous de la part de la Gironde. CQ, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi en mobile sur le sud-ouest de France, QTH, secteur Saint-Émilion. CQ, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi en mobile sur le sud-ouest de France, le département de la Gironde. Peut-être. Ah oui, je vous prie, je peux mettre un petit peu plus grave, voilà.
CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, au département de la Gironde, qui vous propose un QSY sur le 27-565. Le 27-565, c'est parti pour moi. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, département des Gironde, QTH, secteur Saint-Émilion. Oui, 14 Roméo Charlie 052, les 113 51 à vous de la part de 14 km, 3301, opérateur Rémi. Dendy 33 mobile sur le département de la Gironde, pas très loin de Saint-Émilion. Ouais, ok, passager Rémi 73 pour le mobile, ça arrive 59 sur le département de 6, la ville de Valence. 14 Roméo Charlie 052, le prénom ici, Ludo Lima, uniforme Delta Oscar Ludo. Je vous écoute 59 Rémi là. Ouais, c'est ce qui m'a réveillé là, j'ai entendu Saint-Émilion là. Oui, affirmatif, c'est bien ça. Je suis très précisément sur la nationale qui va de Castillon-la-Bataille à Libourne. Voilà, donc quasiment à la hauteur voilà, de Saint-Émilion. Et là, j'ai le temps de, si j'ai bien vu de mon côté, c'est du 57 là pour ma part, hein, dans le push. Alors, pas de souci, Rémi, ben, ça arrive bien. Pas de souci, il y a des QSB, bien sûr, c'est mobile. Il y a un peu de QSB, mais sinon, c'est fort compréhensible. Ok, 100% QSL pour ma part. Alors, les conditions de trafic de mon côté, c'est un petit CRT 7009. Voilà, avec comme antenne une Wilson 5000. Bon, entre les deux, j'ai effectivement quelque chose qui pousse un petit peu. Un petit Zetagi B550P, voilà, qui est à quoi? Qui est à 50% là, d'utilisation. Ça me suffit largement, je ne demande pas plus. Hachi. Ouais, affirmatif, ouais, je serai que l'antenne, là, j'en suis très content. Avant cette antenne-là, j'avais une Santiago 1200 qui marchait très très bien, mais qui m'attrapait quand même des QRM. Et depuis que je suis passé à la Wilson 5000, c'est vrai que là, j'ai vu la différence. Elle est un petit peu plus courte, mais ça marche vraiment très bien. Quoi. Pour l'antenne directive, c'est une Delta Loop que vous avez. C'est une combien d'éléments? Parce que vu comment je la vois, c'est un sacré monument quand même, la Delta Loop. Hachi, retour. Ah, on dirait que la propague a tourné. Ouais, effectivement, oui, c'est revenu. Ok, ouais, bon, la propague est en train de tourner, je crois que on va pas faire plus long, parce que là, pour le coup, là, je vous ai un petit peu perdu, non? Retour pour voir si ça passe toujours. Oui, ça passe bien, c'est revenu bien fort. Hein. Ok, et on va en profiter, j'en profite pour vous remercier à nouveau, merci beaucoup pour le question, et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine antenne et de discuter un peu ensemble. Ok, bah de mon côté c'est descendu à Santiago 3, comme quoi oui c'est en train de partir en sucette là de mon côté, Hachi 3 coups. Donc Valence, merci beaucoup pour ce petit contact. Les 213 51 à vous et profitez bien de la propague. Pour ma part, bah là je retourne au pro, Hachi pour la nuit. Merci, bye bye. Ah ok, courage, moi ce sera demain matin. C'est une journée, c'était à la maison et jusqu'à demain matin, 73. Merci, 73 renouvelé. Oui, attention, les Hauts-de-France pour le sud-ouest de France. 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile à la hauteur de Saint-Émilion.
J'ai entendu quelqu'un là très QRP de mon côté. Là, la propague a chuté là en ce qui me concerne là, là de mon côté. Bon ben tant pis, c'est dommage. Les bus en train 51 à vous de la part de 14 km 3301 opérateur Rémi. Dendy 33 en mobile sur le département de la Gironde à la hauteur de Saint-Émilion. Et bon ben c'est dommage, mais là c'est vraiment parti là dans le lointain. Là. Bon QSO, bonne propague de votre côté. Merci pour ce petit bref passage. Ah, il n'y a plus rien. CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur Sud-Ouest France, département de la Gironde, QTH Libourne. Libourne, droit devant moi. Pour le département de la Gironde. 14 Papa Delta Golf 001. 14 Papa Delta Golf 001. Patrick, tu es 55, Patrick, tu es 1. Oh, ça, c'est un contest. Je suppose. Bien sûr, Patrick. 328 Florida Delta X-Ray. Séparation Charlie India 108. 328 Florida Delta X-Ray, séparation Charlie India 108, liste s'appelle SUSAC, S-U-S-A-K. Tu es seul, Patrick? Ok,
13. Merci Patrick pour le QSO, à bientôt. Papa Delta Golf 01, 328 SX, 21 Shine, 208 Sud Echo Mike, 14 451 Lille de Rennes, 59 ici QSO. Bref, pour 14 km, 33-01 Libourne. Ouais, pour 14 km, 33-01 Libourne. Ouais, pour 14 km, 33-01 Libourne. Bon, quand il y a trop de monde comme ça, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas grave, on va aller à la pêche plus loin. CKO, CKDX, appel à 214 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le département de la Gironde, et qui vous propose un QSY sur le 27545. 27545, c'est parti pour moi. CKO, CKDX, appel à 214 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le département de la Gironde, QTH Libourne. Wow, tu m'as percé un tympan, le deuxième a suivi avec en poussant. Hachi, les 213. Ok, 73, ça va bien, il y a un bon couloir entre 33 et 39. 39, ah oui d'accord, ok, oui, effectivement. Oui. Donc les RE 73-51 de la part de 14 km, 33-01, opérateur Rémi. Dandy 33 actuellement sur la rocade de Libourne en direction de Bordeaux ben pour le pro Hachi. On dirait que c'est super pro là ou pas? Ouais, j'y vais là. Là, je me suis levé la toile là ce week-end après avoir bossé toute la semaine qui est pratiquement en journée. Ce week-end en nuit Hachi. Donc là, debout à 15h pour découvrir la propague, la vite fait là tout à l'heure. Et là, je suis à nouveau là sur la route du pont jusqu'à 6h demain matin. Ok, si j'ai bien vu de mon côté, ça doit être du 53 par là. Quoi. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Si ça ne te dérange pas, là, je suis en train de faire une petite vidéo là actuellement. Justement, là, comme. Enfin, bon, bref, tu me connais, Hachi, voilà. Si ça te dérange, pas de problème, je coupe. Hein. Ok, non, mais ça dérange pas, voilà, y a pas de problème. Hein. Comme je disais, quand t'es sur la rocade, 55. Ouais, il va signer un petit peu, le dernier passage était à 53, mais bon, c'est toujours compréhensible, hein, voilà, y a pas de problème. Hein. Ouais, voilà, j'ai regardé un peu mieux. Ça navigue, ouais, 53, 55, un truc comme ça. Mais là, bon, la radio, elle ne bouge pas. Là, c'est vraiment une bonne radio de 5, là, de mon côté.
Là, je suis en train de tester, là, j'ai réglé ça un petit, la nuit dernière. Là, je suis en train de tester là, un micro préampli là-dessus. Un pan ECM 2018. Hein. Puisqu'en ce moment, le 2018, peu importe la marque, est un petit peu à la mode là, sur Internet, un chiffre, je veux dire par là, qu'on entend assez souvent parler là, ces temps-ci. Je me suis dit, tiens, je vais ressortir le mien que j'utilisais avant là, sur le 3009. Donc là, un petit branchage vite fait là, pour le 7009 avec un petit bout de câble réseau RJ45, plus une prise 4 branches mâles de mi à l'autre bout. Et puis voilà, là, cette nuit, là je m'en vais sur Bassins, là, au pro. Donc Bassins, Florac pour le Web SDR. Là ça va, c'est pas très loin, donc j'ai pu tester ça cette nuit, voir un peu les réglages. Et là apparemment ça a l'air de ça a l'air d'être correct. Ouais, effectivement, de mon côté, c'est pareil. Hein. Là, c'est du décortiquage à faire, un peu de problème. Et bonne soirée 1351 à toi. Merci pour ce petit contact. À la prochaine. Ok, merci, bye bye. Ouais, il m'a semblé entendre quelqu'un derrière. Les bonnes 73 en avant. J'ai entendu un petit accrochage, mais bon, c'est pas grave. Et 73, s'il y a quelqu'un éventuellement derrière, de la part de 14 km 3301, opérateur Rémy, actuellement sur la entre Libourne et Bordeaux, là, sur la nationale 89. Oui, les bas 73-51 à vous, de la part de 14 km 3301, opérateur Rémy, actuellement sur la nationale 89 entre Libourne et Bordeaux. Et pour la petite anecdote, là je suis en train de doubler un camping-car avec une belle antenne de Sibi, d'accrocher, alors c'est le président, oui, d'après ce que j'ai vu, l'antenne marine, d'accrocher juste à côté du rétro, là sur le côté gauche là, du camping-car. Comme quoi, on n'est pas tout seul sur la route hein, à avoir la Sibi Hachi. Bon, ben, ça a été très furtif. Roi 73 à vous, la station qui s'est signalée. Un propag a visiblement tourné. Bon QSO de votre côté, merci d'avoir répondu. Bye bye. 14 1734, la ville de Lyon, si j'ai bien compris. Les 73-51 à vous, la ville de Lyon, de la part de 14 km 3301, opérateur Rémy. En mobile entre la ville de Libourne et la ville de Bordeaux. Bonjour Rémi, 14h1734, opérateur Royal, pas tout à fait sur les villes de Lyon, mais à peu près une trentaine de kilomètres, à côté de l'aéroport de Saint-Exupéry. Ok, d'accord, t'as Lyon, c'est vrai que sur le département de la Gironde, la ville de Lyon est à un côté qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est, pour ma part, c'est vraiment, vraiment du exceptionnel d'arriver à faire la ville de Lyon. Je serai actuellement en QIRA, que vu la disposition géographique, c'est pas évident que je puisse vous entendre. Mais je suis bien content de vous entendre, la ville de Lyon. Voilà, de la part de 14 km 3301, opérateur Rémy, d'Andy 33 en mobile, à mi-chemin entre Libourne et Bordeaux, actuellement sur la route du pont Hachy. Il en faut bien qu'ils aillent travailler. Hachy 3 cours, retour. C'est pas en 6-7. Fabrication maison. À toi.
Ok, merci pour le retour. Bah, de mon côté là, c'est du 45-47. Voilà, parce que moi j'ai un bruit derrière, là j'ai un bruit de bande derrière là qui est en train de balayer la fréquence, qui m'a pas forcément aidé à vous sortir correctement. Alors pour ma part, les conditions de trafic, c'est un CRT 7009 avec comme antenne une Wilson 5000 de placée là au centre du toit. Je suis en train de vous perdre. Ouais, je suis en train de vous perdre. Là, c'est en train, la propague est en train de chuter là de mon côté. Donc, avant de complètement vous perdre, merci pour ces petits contacts. Les 213-51 à vous et profitez bien de la propague. Merci, bye bye. Enregistré break. Waouh, ouais, il y a un peu de fadine de mon côté, et 73-51 renouvelé à vous. Oui, il y a eu un break avec les bosses sur 13-51 de la part de 14 km, 33-01 opérateur Rémi, en mobile sur l'ancien 89, entre Libourne, 89, 83, je sais plus. Enfin bon, bref, entre Libourne et Bordeaux. Hé, hey, les 73 Eric. Eh, pas loin. Hachi. Après, pour l'antenne rasoir, ça dépend du cuisson qu'on tient. Hein. Hachi, oh putain, c'est là, il va falloir que je la ressorte. Une antenne rasoir. Oui, oh, tu es en train de me... Non, faut pas me donner des idées comme ça, toi. J'ai déjà une idée de montage photo. Montage d'une image à faire avec un rasoir Wilson ou quelque chose comme ça, Wilkinson, non, je crois quelque chose comme ça, de monter sur une embase Wilson. Oh putain, faut pas me donner des idées comme ça. Ah non, Hachi, trop tard, c'est en tête. Ouais, puis en plus de ça, c'est dans la boîte. Comme quoi, on peut faire de la radio sérieusement sans pour autant se prendre au sérieux. Voilà, là je crois que sur le coup, il y en a beaucoup qui feraient bien d'en prendre note. Hachi ! Allez, j'arrête avec ça parce que là, pour le coup, on va avoir des chutes qui enflent. Ouais, c'est ça, je suis sur un SR89, là en direction de Bordeaux, là je m'en vais sur Bassins. Voilà, c'est... ben oui, comme hier soir, pareil, 18h, 6h, il fait pas froid dans la voiture, hein, parce qu'en plus de ça, pour entendre quelque chose, je suis obligé d'avoir la vitre fermée. Bon, j'ai la ventilation de mise, mais putain, ça coule. J'ai pas vu de la clim quand j'ai acheté le push, mais peut-être que tout compte fait, le prochain véhicule, je la prendrai, la clim. Surtout vu les températures, comment ça augmente. Et en plus de ça, t'as vu, hein, à partir de demain, on retombe dans une canicule avec des coups de 38 degrés, voire plus. C'était la question que je voulais te poser, je voulais te dire la clim. Aïe, 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 ouais, c'est vrai que c'était à l'option. Ok, d'accord, voilà, là je suis de retour là sur le pont là, ECM 2018. D'accord, ok, là effectivement, ouais, c'est vrai que le pont 2018, enfin le ECM 2018, puisqu'il a été repris par pas mal de marques, a sa réputation pour lui. Hein. Donc le Euro Cibi, ouais, ben l'autre là, que j'utilise d'habitude au QRA, il faudra que je vois ça cette nuit là pour voir un peu ce que ça donne. Alors là, c'est celui que tu as actuellement. Celui que tu viens de servir en dernier, celui-là, il est pas imputable. Hein. C'est nickel, là. Ouais, voilà, ouais, ok, ouais. Bon, ouais, faudra que je fasse des essais. Pourtant, l'autre, il a une excellente réputation et tout, mais bon, ça doit être une question de réglage, je pense. Ouais. J'ai peut-être pas trouvé encore le bon réglage là pour l'autre. Je pense que ça doit être ça, quoi. Ah oui, parce que là, tu vois, ça n'agit pas du tout. Radio-Météo, là, je pense que ça, nickel. Tout à l'heure, ça n'agit, ça fait... Ah, c'était...
Ok, attends, je suis en train, là, je suis un peu en avance là pour le pro. Pour le coup, alors attends, je vais essayer de me trouver un endroit comme ça, là. Là, je suis au niveau du relais routier, là, qu'il y a, là, sur les quais de Bassins. Le Limousin, voilà, je suis à ce niveau-là. Ok, voilà, là, je vais me mettre un petit peu là. Putain, je vais tout ouvrir parce que je coule. Ah, chie. Oh, je suis en avance à 18h. Putain, oui, là, je coule. Putain, si je pouvais aller prendre une douche là de suite, j'irais. Ouais. Bon, alors, l'autre, ouais. J'ai pas fini de le régler comme c'est là. Ouais. Merde, c'est. Ça m'embête. Parce que l'autre, en plus, j'aime bien son esthétique. Il a la gueule des anciens micros d'autrefois, chromés avec les gris sur le côté. Sauf que lui, il est tout gris. Ou alors c'est peut-être la pile dedans qui commence à faiblir. Il y a peut-être ça aussi. Alors c'est une pile de 6-7 volts, un truc comme ça. Je vais m'emmerder à trouver ça. Quoi. Bon, c'est pas grave, je vais me démerder avec. Non, là, pour le ECM 2018, oui, c'est une pile carrée, une pile plate, une pile carrée, ouais, 9 volts. L'autre, c'est une 6 volts, 7 volts, un truc comme ça, ronde. Eh ben, je le saurai quand je vais me mettre à en chercher. Elle est spéciale. Ouais, il y a marqué 7 volts dessus. Alors, faut que je vois parce que c'est un petit peu spécial. C'est une empilation de petites piles rondes qu'il y a dedans, comme pour les montres, trucs comme ça. Il doit y en avoir 4 ou 5 dedans. 4, oui, je pense, dedans. Ouais. Ouais, je vois très bien ce que tu vas dire. Mais c'est abaisser la tension avec simplement une résistance comme ça, c'est pas un peu risqué quand même. Puis là, c'est pas évident qu'il y ait la place. C'est pas gagné, là, je vois pas comment là niveau place. Ouais, enfin bon, déjà, avant de faire comme ça, je regarderai là, si j'arrive à en trouver quand même là, de ces piles. Sinon, ouais, avant de. Parce que si elle retrouve, c'est peut-être tout simplement ça. Hein, là, j'ai rien pour mesurer là sous la main. Hein, mais si elle retrouve, c'est peut-être tout simplement que la tension de la pile est plus assez bonne, plus assez forte. Ça, c'est bien possible. Parce que là, quand je l'ai acheté, là, je l'ai acheté à Christophe. Hein, donc quand je lui ai acheté, la pile était déjà dedans. Lui, il avait mesuré la tension, il restait encore 6 volts dedans, là, utilisable. Oui, voilà, oui, c'est ça, ouais, non, mais j'en suis sûr, hein, c'est faut d'abord que je vois le côté pile, repartir sur une pile neuve, et là, ok, je pourrais vraiment voir
l'exploiter correctement et faire les bons tests avec. Mais bon, déjà cette nuit, je vais m'amuser là à écouter là sur le web SDR là, ce que ça donne là, puisque là je suis à Bassens. Donc là, j'aurai déjà une première approche. Si je vois que quand je vois sur les réglages, je n'obtiens pas grand chose de bon. Bon, ok, là ça sera confirmé, hein, ça sera vraiment la pile. Parce que là, bon, ce micro, c'est vraiment un micro qui a une très bonne réputation. Et aussi, qui passe aussi dégueulasse comme ça, là, je suis un petit peu étonné. Ouais, mais ce qui est peut-être pour ça, c'est-à-dire que la partie n'est pas assez alimentée, que ta modulation, justement, est crétée. C'est peut-être pour ça. Ça veut le faire sur les micros préamplis, ouais. Mais tu vois, c'est dommage, c'est pas enculé, là, mais t'entends rien, hein. 5 ou 6, c'est sur le câble, hein. Ok, ben là je suis de retour avec le micro, avec l'autre micro préampli, là le Orocibi. Donc là, je suis pile à 2. Voilà, je passe, là je suis maintenant à 4, là je passe au réglage de 6, réglage de 8, réglage de 10, 8, 6, 4, 2. Et comme je le mets à la maison, là je suis à 1 3 quart. Là je suis comme je suis d'habitude là au QRA sur le DK. Mais bon, sur le DK, je crois que là en attendant je vais remettre le micro d'origine. Là c'est pas bon du tout, là. La radio est dégueulasse, hein. Ok, voilà, je remets le 2018. Ouais, bah oui. Et c'est une nuit dégueulasse en montant ou carrément dès le début? Ah non, c'est bon, quand t'as bougé là, où t'as touché, c'était dégueulasse. Ça fait, ça jouait uniquement sur la puissance de la modulation. Hein. C'est tout, mais que ça soit en bas ou en haut, c'était dégueulasse. Par contre, là, maintenant, c'est bon. Ouais, ben là, j'ai remis la vite fait le 2018. Donc, c'est confirmé. Ah ouais, je crois que là, c'est clair, net et précis. La pile est bonne à changer, puisque d'un bout à l'autre, en plus là, je t'ai donné le numéro à chaque fois du réglage sur lequel je passais. Là, 2, 4, 6, 8, 10, tac, retour en arrière. Je te l'ai énuméré, et, vu ta réponse, ok, ben c'est bon. Je vais pouvoir me mettre en quête d'une autre pile, et puis au QRA, je remets le micro d'origine en attendant. Ouais, c'est. Je suis un petit peu étonné. Dans ces cas-là, ben, si je vois que ça vient vraiment du micro, bon, j'irai voir Christophe pour que. Là, pour qu'il voit un petit peu là, de plus près. Enfin bon, de toute façon, là, pour ce mois-ci, là, c'est baisé, j'aurai pas le temps de m'en occuper. Cette semaine, là, faut que je m'occupe de préparer les affaires là pour le salon, pour samedi. Tiens, il y a des gens qui vont arriver du département 57, du côté de la Moselle, enfin là, par là. Ça va arriver d'ailleurs aussi. C'est maintenant qu'on me pose des questions pour les hôtels à Chy, alors que Marennes, c'est quand même une zone touristique. Je ne sais pas comment ils vont faire. Ouais, comme tu dis, il y en a qui vont pouvoir dormir dans la voiture aussi. Ah mais oui, surtout dans les animations comme ça, les manifestations, à la période où on est, il faut s'y prendre au moins plusieurs mois d'avance, parce que sinon, c'est pas bon. Bah t'as bien sûr. Alors toi là, pour le micro là, que j'ai là maintenant, là, le PAN au CM 2018, alors sur les modèles 2018, ECM ou CM 2018, le truc que je reproche dessus, c'est qu'ils n'ont pas mis le réglage du gain micro en façade. Mais c'est plutôt le réglage de l'écho. Voilà, comme tu vois là maintenant, là, ok, voilà, je rebaisse, voilà, j'ai remis à zéro. C'est uniquement ce réglage-là qu'ils ont mis en façade. Le gain micro, lui, il est directement sur le circuit. Alors ce que je me suis amusé à faire, c'est derrière le boîtier pile en face du réglage, j'ai fait un petit trou, c'est ce qui me permet de pouvoir attraper la résistance variable depuis comme ça à l'extérieur, sans être obligé à chaque fois d'ouvrir le micro. Mais bien, c'est pas bien, parce que là,
Vu sous cet angle, ouais, effectivement, t'as raison. Ben là, alors hier, il était encore aux trois quarts. Hier soir, j'ai écouté là, en mettant les oreillettes là sur le téléphone, plus enfin écouter sur le web SDR. Bon, j'ai vu que en le montant à fond, après tout, c'est vrai que il est bon comme ça. Putain, je bafouille, je cherche mes mots. Ouais, la nuit dernière, ouais, j'ai comparé entre le micro d'origine et le micro préampli. Et je me suis rendu compte qu'en mettant le réglage du gain là, aux trois quarts, en fin de compte, je gagnais rien par rapport au micro d'origine. Alors que par contre, là, pousser comme ça au maximum, là, ça va. Et pourtant, j'aime pas ça, pousser les micros au maximum, mais a priori, ce serait là son meilleur réglage. Parce que si tu regardes, tu vas conduire sur ta réglage, le micro Yazoo, le M descend, et bien le M descend, t'as aucun bouton sur le micro du réglage du gain. T'en as pas. T'as juste une position au plus grand ou veillé, dessous, là, et puis t'as aucun réglage sur le micro du réglage du gain sur le M descend. Alors c'est sous le MD100, c'est le micro à pied, ouais c'est ça, ouais. C'est sous le pied, tu as deux ou trois boutons, et c'est chacun soit, je sais plus, deux ou trois positions. Oui, non, mais c'est tout ça, c'est des filtres, c'est pas le réglage du micro gain. Le réglage du micro gain, d'accord. Sur le micro Yazoo, il se fait le réglage au niveau du poste, mais au niveau du micro, les positions que tu as dessous, c'est où tu mets le filtre, tu ne le mets pas, et tu as un peu plus ouvert ou un tout petit peu plus grand ou un petit peu plus aigu, tu vas dans l'intonation, et c'est ça, tu as trois positions. Mais c'est trois positions pour trois choses différentes, et pas pour la gueule du micro bien. Ah, ouais, d'accord, ok, je comprends mieux, oui. Ouais, effectivement, oui. Ah, et puis c'est vrai que, de toute façon, ce micro, je l'ai revendu. Parce que c'est vrai que, comme tu le vois là sur les vidéos, quand je suis sur le QSO du canal 27, je fais la girouette. Je fais la girouette entre devant l'ordinateur, entre me retourner côté poste. Et vu comment je suis installé en plus là dans mon bar, le micro à pied, il est pas du tout pratique, il est trop loin de moi, quoi. Et c'est pour ça que là, du coup, je l'ai revendu pour continuer en fin de compte qu'avec le micro à main, quoi. Par contre, je suis en train de regarder l'heure là, il est 6h-10. Je vais être obligé de passer QRT. Donc merci de m'avoir permis là, de faire là, ces différents tests avec toi. Bon, l'autre micro, ok, c'est clair, net et précis. Il faut vraiment que je vois ce problème de pile. Ce mois-ci, c'est pas gagné. Bon, c'est pas grave. Et peut-être même que je. De toute façon, je l'emmène à Marraine. Qui sait, peut-être que sur le salon, j'en trouverai, on sait jamais. Quoique, je me méfie. Si elles sont pas neuves, je risquerais de tomber sur la même connerie. Hachi. Ok, merci Eric pour ce QSO, les 73 à toi, profite bien de la propague, qui a l'air d'être retombé là, on dirait, là. Enfin bon, bref, à la prochaine. Ok, Rémi, 73, bon courage pour le pro, et puis 73 aux écouteurs, voilà, allez, à très bientôt. Ah ben justement, quelqu'un s'est signalé derrière, les 73 la station, voilà, je passe en QRT pour ma part, pour le pro, et bon QSO. Bye-bye. Merci, bye bye. Well, shit,
taking contact to 205 Alpha Tango, Hotel Quebec, you are there. Contest, video contest, 1 Alpha Tango, 0 1 4 1 8 0.